Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Pascal. Salut John. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, écoute. Bah moi ça va plutôt bien parce que regarde ce que j'ai dans les mains. Waouh! C'est magnifique ça. Une Vigier GV Wood. Ouh. Alors simplement somptueuse, regarde un petit peu moi cette finition de Monsieur Vigier. Hein, voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est terrible. Une table, il n'y a rien à dire, hein, il suffit de la voir. La tête, un dos, enfin voilà. On parle un petit peu plus en détail de la jolie demoiselle que j'ai. Oui, donc on est sur un corps en aulne. Waouh. Et oui, et une table en érable flammée, comme vous pouvez voir, c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique, c'est juste guitare somptueuse, hein, je dis bien somptueuse, on vient de la recevoir. Alors les micros, on est sur des micros Amber, bobinés à la main en Allemagne, qu'on commence à connaître. Hein, oui, ceux-là voilà. On les connaît bien. Mm-hmm. Des micros, nous qu'on adore déjà, hein, puisque ben voilà, vous avez un petit peu le rendu que ça donne hein, aussi, hein, voilà. Ouais. Alors une guitare encore une fois capable de faire plein de styles. Hein. On peut aller du chargé comme j'ai fait, à un son très très clean, on verra ça tout de suite. Mm-hmm. Vraiment très clean, du blues, du rock, du metal. Ça accepte un peu tout. Très polyvalent. On a une magnifique touche aussi. Touche en Fenwood. Donc, on la connaît, hein, cette touche. C'est beau. La fameuse tête. La tête Vigier et les mécaniques autobloquantes. Voilà, la chaleur, signature qui doit être la signature du papa de Monsieur Vigier. On a les mécaniques autobloquantes, évidemment, simplement un... Bon, ça bouge pas. Hein. Là, vous avez vu, j'ai pris mon accordeur parce que cette guitare est toute neuve et on l'a accordé qu'une seule fois en sortant du carton. Imagine bien, en sortant du carton. Je vais pas mal rentrer dans la tête. Hein. Bon, voilà, hein, je suis pas Monsieur Bumblefoot, hein, donc s'il me regarde, pardon, à monter des bennes de ton, mais quand même, on voit que la guitare, elle tient parfaitement l'accord. Et là, du coup, je vais me mettre en son clean. Ouais. Hein. C'est rapide comme petit essai, mais imaginez toutes les possibilités qu'on a avec une GV Wood. Hein. C'est vraiment redoutable. Pour la petite histoire, la GV Wood est branchée dans un Black Star Kentucky. Hein. Kentucky spécial. Voilà, qu'on adore. Hein, franchement, c'est un petit peu comme la série GGN hein, de Jared James Nichols, ouais. Qu'on adore aussi d'ailleurs. Salut Jared. voilà le Kentucky. Moi, le Kentucky, c'est une édition spéciale du coup, montée voilà. En 6L6 et ouais. Avec un Eminence dedans du coup. Et voilà. Putain, ça tombe bien. Et un super oh. Roux. Parce que à côté, vous avez vu que là, j'ai encore une petite Vigier, j'ai une GV. Rock. GV Rock. Alors elle, évidemment, elle mord un petit peu plus, hein, donc les micros sont un peu plus... Rentre dedans, donc comme son nom l'indique, rock'n'roll rock, hein, évidemment sans capot, mais sinon on va retrouver à peu près les mêmes specs. Hein. On va retrouver les micros Amber, donc, mais plus puissants que ceux qui sont sur les GV Wood. Ouais. On n'a pas de table en érable dessus, non. Du coup on est que sur une guitare en aulne, hein, mais c'est déjà très bien. Très beau. 5 positions sur le sélecteur, voilà. Et on a une touche cette fois-ci en palissandre. Ouais, voilà, grosse différence. Le vénage, hein, du magnifique touche. Donc voilà, deux guitares... J'aurais pu jouer sur la GV Wood, on pourrait jouer sur la GV Wood. Deux guitares que j'adore. J'adore la lumière de la rock plutôt. J'adore la lumière de la Wood. Elle capte vraiment la lumière, cette guitare. Elle est somptueuse. Belle tape flammée. Ouais. La rock est magnifique aussi. Et puis voilà, c'est une guitare capable d'aller dans tous les compartiments du jeu. Vous allez voir que là, bon, on va la.
Bon, voilà, elle est taillée aussi pour le rock'n'roll et pour les musiques un peu plus... Je ne dis pas ça parce que j'aurai un problème avec le CSA, je crois bien. En tout cas, mon petit Pascal, gros bisous et à vous tous aussi. Ciao. Salut.